On chauffera tout le monde. Je sais que vous allez bien. Bonjour le roi Raoul, bonjour la reine Johanna. Je voudrais qu'on parle d'une arme qui va beaucoup vous aider. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Vous avez... Heureusement pour vous, vous avez commencé à faire les lavages. Vous avez commencé à vous focaliser. Parce que si vous voyez bien ce que j'enseigne, je ne vous apprends pas à seulement prendre l'eau avec le sel, vous vous lavez. Je vous apprends à développer une vision. Donc, bon mois de juin et bienvenue. Et si vous avez commencé à développer une vision pour vous et pour votre business, pour vos enfants, pour votre femme, pour votre avenir, vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup de tentations. Et ces tentations viendront dans le fait que vous allez parfois vous réveiller avec des émotions bizarres. C'est comme si dans la nuit, on t'a donné un rêve où tu te sens mal, on te tapait, tu te réveilles, tu es découragé. Ton esprit n'est pas automatiquement positif. Donc, je vais vous enseigner aujourd'hui comment garder le cap. Vous devez comprendre d'abord que, bon, les ancêtres me demandent, j'ai oublié de demander la présence des ancêtres. Je demande la présence de nos ancêtres. J'appelle ma mère, maman Aurélie. Je demande la présence de ma grand-mère, maman Gisèle, mon grand-père. Je demande que vous me donniez la sagesse, que je puisse inspirer toutes les personnes qui vont écouter ceci. Que je les aide à restaurer leur royauté. Que ces paroles soient comme un coup d'envoi pour qu'ils se lancent. Je demande l'assistance du Saint-Esprit, la présence de la Vierge Marie. Je viens couvrir ce direct par le sang de Jésus. Je mets la paix dans votre cœur. Que cette journée ne soit pas une journée comme les autres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, la motivation et le vrai changement sont deux choses. Et la raison pour laquelle je ne vous flash pas, parce que je sais que le vrai changement, ce n'est pas celui qu'on te pousse. On te pousse, tu fais un jour. Parce que tu viens, tu vois, j'ai les beaux cheveux longs, j'ai mis un habit Burberry, je sais pas trop quoi. Tu te dis, ouais, c'est comme ça que je veux être. Je veux que tu sois ta vraie version. Mais pour cela, tu dois briser certaines chaînes à partir de l'intérieur. Il y en a, vous m'écoutez, vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes très riche. Mais vous ne dormez pas la nuit. Vous êtes riche, mais votre enfant est parti. Tu as l'argent, tu ne manques pas. Mais depuis 5 ans que toi et ton copain, vous avez dit qu'on veut vivre ensemble, il y a un blocage. Bonjour le roi Jean-Baptiste. Il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a recontacté hier. Elle me suit depuis la France. Financièrement, elle ne manque pas. Depuis 2 ans, son mari il a quitté la France et est parti au Cameroun. Il a laissé la femme avec les 2 enfants. Oui, pour Cameroun, fait quoi? Elle a tout fait. Il dit que je vais venir. Oui. Blocage plus qu'il y avait sur la femme là.
Hier, pendant que je suis en train de faire son lavage et pour son mari, elle me dit, maman, il vient de m'écrire, il me dit qu'il vient d'acheter le billet d'avion pour revenir en France. Tu vois, les gens que tu as grondé, tu t'es fâché, tu as dit qu'il ne te parle même plus, tu as tout fait. Il est toujours au Cameroun, il ne vient pas. Tu dors même la nuit, tu rêves, tu vois comment on est en train de le prendre, non pas avec lui. Écoutez, hein, écoutez. Les gens ont les problèmes ici dehors. Le genre de problème que même l'argent. Tu prends, tu le poses à côté, tu regardes ton problème comme ça, tu dis que je fais quoi de toi? Et beaucoup de ces problèmes aussi sont ancestraux. Il y a des choses peut-être que tes parents n'ont pas fait sur toi. Toi-même, tu ne savais pas. Peut-être tu nais, tu es une reine. Parce que vous savez qu'il y a deux types de reines et de rois. Il y en a que c'est parce que ton père avait ça, on te donne. Il y en a que ça ne vient pas de quelqu'un. C'est tout, c'est là. C'est comme ça qu'on m'a parlé. Personne ne m'a donné. Mon père n'est pas roi quelque part. Tu nais, c'est dans ton aura. On te voit à 3 ans à la maternelle, tu veux commander tous tes amis. On a dit à ta mère plusieurs fois quand tu grandissais. On a dit protège l'enfance. C'est toi, on a même dit que ta mère qu'il faut qu'elle t'envoie même ailleurs, qu'il ne faut pas que tu grandisses dans votre quartier là. Pourquoi ce genre de quartier comme bébé panda, double balle là, où tout le monde est vampire. Et ma kepe misoké. Ça c'est pour les Camerounais. Ce sont des quartiers très pauvres où les gens n'ont rien à faire, donc ils passent le temps à se manger entre eux la nuit. Dès que ton enfant part dans une bonne école comme ça là, paf, on l'attaque. On voit les premiers de la classe, 4, 5, 6 ans d'affilée là. Il faut qu'on l'attaque. Les quartiers où l'excellence n'est pas. Non, non, non. Hey, ton enfant, tu as le visa que tu pars. Voilà, New Bell. Tu as le visa que tu pars où? Tu pars où? Tu vas rester en route. On a dit à tes parents depuis, ils n'ont rien fait. Écoutez, hein. Prenez la responsabilité de votre vie. Il y en a parmi vous, là où vous êtes aujourd'hui, vous n'étiez pas prédisposé. Rien ne vous donne. Le quartier d'où tu sors, c'est le miracle. Le fait que tu es en France, tu passes aux Champs-Élysées là, c'est la chance. Donc, maintenant, il voudrait que vous sachiez que beaucoup d'entre vous, dans votre aura, vous étiez censé être avec les présidents aujourd'hui. Vous voulez me faire rire? Vous parlez de Bipanda. Oui, non. Ils se mangent entre eux la nuit. Tu te couches, tu vois comment un serpent passe, on ne sait pas dans l'autre maison. Ta maison était sur le chemin, il passe tout ça là. Oui. Le PK14, c'est ça. Un roi peut naître à Dedo. Oui, un roi peut naître à Dedo. Tu nais, on ne te protège pas. On t'expose. Tu passes ton temps au quartier, tous les petits vampires du quartier là mettent la main sur toi tous les jours. Et une étoile se voit. Oui. Depuis que tu as 2 ans, ils te connaissent. Même quand ta mère était enceinte, parce qu'ils avaient la gâtée pour ta mère. Je devais parler de garder le cap, mais c'est que c'est ce qui sort de ma bouche. En tout cas, je dis seulement ce qui me dit de vous dire. Ils connaissent. Oui, les Pendja. Dorbassi. Vous la même. Et quand tu grandissais, tu avais l'impression que tu n'étais pas à ta place. Quand tu voyais la pauvreté ou bien la méchanceté des gens autour de toi. Moi, j'ai grandi dans ce genre de quartier. Les cadavres, à l'âge de 2, 3 ans, tu voyais les cadavres. On dit que tel oncle est mort, tu pars, tu vois le cadavre. Donc, on était habitués. Bonjour, la reine chatue.
En grandissant, tu as l'impression à l'intérieur de toi que... Ça, c'est pas mon endroit. Quelque chose en toi te dit qu'il y a quelque chose en toi qui est roi. Il y a un truc de royal en toi. Quand je vous parle comme ça, je sens comment tout mon corps est en train de vibrer. En trébille. Vous vous moquez de vos quartiers. Vous vous moquez de vos quartiers. Et je sais que ça paraît anodin, ça paraît fou. Mais quand tu étais là-bas, vous savez, l'esprit va toujours, les ancêtres ont toujours envoyé quelqu'un pour dire, pour prévenir. Et c'est fou parce que il y en a quand ils se découvrent seuls. Après, la mère dit, ah, on m'avait dit ça de toi. Quand j'ai commencé à faire ça, quand je m'a pas commencé comme ça. Hein. Ça m'a pris, j'ai dit qu'elle ne peut pas résister. J'ai commencé, ça m'a parlé sur Facebook. Une de mes tantes, elle appelle un de mes oncles. Ils font le décepticonnement, c'est le décepticonnement entre eux là-bas. Elle dit que moi j'ai toujours su ça. Hein. Je savais ça depuis qu'elle était petite. Parce que ma passe m'a menacée. J'ai passé beaucoup d'années de galère. Je ne connaissais pas qui j'étais. Et même quand l'idée venait dans ma tête, je n'acceptais pas. Je dis que donc tu connaissais. Oui, on m'avait dit. Je savais qu'elle avait ça en elle depuis des années. Vous serez surpris de savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans votre famille qui connaissent qui vous êtes. Mais ils ne vont jamais vous dire. Et si quelqu'un connaît qui tu es, et qu'il y a moyen que la personne ne va pas te prendre un peu de toi sans que tu saches. Croyez-moi, ils vont se servir. Oui. C'est que quand vous arrivez chez les Blancs, là, vous croyez que la spiritualité africaine n'a... Il y en a, vous êtes là-bas, que c'est... T'as une de tes grandes soeurs qui t'a élevée. Michel et Calais, vous voulez seulement finir tous les quartiers. Hein? Le quartier derrière le cimetière. Une de tes soeurs t'a élevé. L'écart entre vous, c'est peut-être 20 ans. Donc ta soeur là, quand tu avais 5 ans, elle avait 25 ans. Ce qui fait qu'elle était en avance, elle pouvait déjà. Parfois, c'est les soeurs consanguines. Ce qui fait que ces gens-là consultaient déjà les choses là depuis longtemps. Ils faisaient déjà ça depuis longtemps. Ce qui fait que quand ils partent, et quand les gens là partent, écoutez, vos gens connaissent vos choses. C'est vous qui ne connaissez pas vos choses. Vos gens connaissent vos choses. Son patron, on leur a tout dit sur ton étoile. Elle est censée avoir les... Son argent est censé venir des quatre coins de la terre. Ah, vous parlez même de quoi? Quand Toumba Mika a chanté que l'homme est mauvais, oh, il ne mentait pas. Tu as 7 ans, tu pars en vacances chez une tante. La semaine là, c'est la semaine où son marabout vient travailler sur tout le monde à la maison. Dès qu'ils te voient comme ça. J'ai des enfants souvent qui travaillent sur eux, je les vois, je dis aux parents, je m'assure d'abord que c'est ta vraie mère. Bah, souvent, ça peut être un enfant que tu as adopté, ou bien vacancier, ou bien oh, ses parents sont morts, je l'ai aussi pris comme ça. Tu viens avec tous tes enfants, c'est l'enfant là, l'étoile de l'enfant est plus grande que pour tous tes enfants. Je vois souvent les cas comme ça. Tu vois, l'enfant a une éloquence, l'enfant a. Parfois, les choses ne savent pas, c'est bien de dire aux gens là.
Son marabout arrive, il te voit. Il te regarde. Il te regarde. Il peut voir ton étoile. Il voit ton aura. Et quand tes parents sont les simpletons, vous savez que vos parents sont des simpletons. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le mot simpleton, ça veut dire qu'ils sont simples, simples. Ils ne savent pas que leur frère qui a la grosse maison là, il a fait les choses. Ta mère a grandi dans le taudis. En Dorbassier. Vous avez dit Dorbassier. Oui. Sa soeur, même père, même mère, a une grosse villa. Cherchez le quartier, vous dites vous-même. Quelque chose ne vous est pas un peu... Te voilà. Elle avait fait ça sur ta mère. Maintenant, voilà l'enfant qui arrive. Qu'on a pris pour la mère, on a embrouillé le cerveau de la mère. La mère, c'est vraiment comme ça là. Elle vend ses petites tomates au quartier quand elle peut, voilà. Elle vend ses petits. On a même pris, on dit que oh, tu es sa soeur, c'est ton homonyme. Oh, en croyant que c'est. Écoutez, ne donnez pas l'homonyme de votre enfant n'importe comment. Chaque vacances, on te porte, on t'envoie là-bas. On ne sait pas que c'est chaque vacances qu'on retient un peu. Oui. Dès que tu sors de sa maison, je t'ai habillé comme ça. Ça veut dire que c'est toi qui m'as fait porter la bici ce matin. Il devait porter seulement mon t-shirt ciel. Je prends la bici, je lance sur la chaise. L'esprit me dit, prends, tu portes. Quand tu rentres des vacances, ta tante là achète une nouvelle voiture. Chaque vacances. Devine que tu t'es trompé d'endroit. Tu es bête ou tu es pauvre. Parce qu'il n'y a que les pauvres qui viennent commenter, c'est comme ça. Tu es trompé d'endroit. Amen. Que ton fils se rétablisse totalement. Je vois que toutes vos questions veulent me détourner de mon sujet. Donc, je vais ignorer un peu vos questions et je vais rentrer. Voilà, ton fils a eu ça chez ta tante, la femme de ton père. Te dit ça chaque jour. J'avais refusé qu'on te donne mon nom. Diamant de Dieu, tu demandes pourquoi Dieu les laisse faire autant de mal. Dieu est impartial. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu apprends que Dieu n'est pas du côté de quelqu'un, c'est pour ça que je vous montre chaque jour ici comment tu peux prendre tes choses, toi-même tu te laves. Comment tu vas parler sur ta vie. Comment tu vas... j'ai mieux à faire que de venir parler ici chaque matin. Dieu ne prend pas les camps. Pas du 20e étage, tu sautes, tu te lances dans le vide. Tu vas voir si tu vas voler. Mon frère, tu vas tomber comme ça là comme pian, tu vas t'écraser sur le sol. Pourquoi Dieu n'est pas venu te sauver? La loi du plus sage, je dirais même. Parce que quand tu crois que les choses vont se passer seules, quand tu vois quelqu'un a réussi ici dehors, il a maintenu sa réussite. La personne là, il connaît ce que tu ne connais pas. Écoutez-moi bien, je sais que vous êtes bête. Quand vous parlez, vous dites comme ça là.
toutes tes cousines. Regarde tes cousines. Leur mère travaille sur elle, non? Ta mère, c'est un peu ton, non? Tu souffres, non? Fais 1 plus 1, ça va te donner 2. Il y a des gens qui me suivent. Que vous avez... On vous a menacé dans votre famille. Et vous ne saviez pas qu'il y a quelque chose que vous-même vous pouvez faire pour ouvrir votre chemin. Et ça fait 3 mois que vous me suivez. Vous avez fait tous les lavages. Même ce matin, vous êtes lavé avant de venir ici sur le direct. Même ce matin, vous êtes lavé avant de venir ici là. Vous avez fait votre lavage. Vous avez parlé sur votre journée. Il y a des choses que vous avez commencé à faire que... Je veux que vous compreniez que ça actionne des choses. Parce que parfois, certains d'entre vous, vous avez vous porté même les malédictions de 3 générations. Ce qui fait que c'est plein sur toi. Tu enlèves un peu. Certains d'entre vous, on est allé dans les en bas des baobabs pour enterrer vos trucs que ça ne marche pas. Et tu es en train d'enlever. Tu es en train d'enlever 1. Tu es en train d'enlever 2. Vous savez, quand on parle de karma, hein, moi, je ne veux pas attendre que le karma fasse 300 ans avant de venir pour me venger. Je veux me venger ici, là. Je vais accélérer le karma, là, ici. Parce que ça, c'est ce que les gens se disent souvent. Vous allez voir. En disant qu'ils vont voir que tu es à mon nom. N'est-ce pas? Ne soyez pas bêtes. Vous allez voir. Dieu va faire sa justice. Ils sont dans la voiture chaque matin. La clim. Toi, tu marches à pied. Tu prends la moto. Le jour où la moto ne te rate pas pour que tu tombes, tu te grattes le pied. Hey. Depuis que j'ai compris le confort financier et que j'ai goûté, je veux que tout me soit restauré maintenant. Je ne veux pas attendre. Attends, non, je ne veux pas. Quand il faut faire faya, je fais faya sur mes ennemis. Je ne blague pas. Il y a même le genre de prière que j'ai prié, justement, que quelqu'un doit mourir aujourd'hui. Son maudit godaï. Parce que quand les gens n'ont pas te vous faire le mal, on dit, on a besoin que tu donnes le nom de quelqu'un pour changer contre ta fille, cela. On doit prendre la chance de quelqu'un pour que ta fille prospère. Je suis même là. Bonjour, le roi Wafo. Je suis la marraine de... Oui, Jacqueline, donne-moi. Oui, tu prends le nom. La mère de Jacqueline là-bas, simple ton XXX x 15. Vous dites que vous voulez attendre le karma. Vous voulez attendre le karma. Hein? On dit que c'est vrai qu'on dit que karma, il se bit, you know. Je ne veux pas attendre que le karma ne te tourne. Parce que le karma, je pense qu'il prend, il prend les escaliers. Karma prend les escaliers. Voilà. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez d'être simple. Arrêtez. Bonjour, bonjour mes ennemis. Bonjour les Decepticons. Bonjour mes amis. Bonjour et merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Certaines personnes ne veulent pas me voir prospérer. Malgré ça, je prospère. C'est fou, mais bon. What can I do? Maintenant qu'ils connaissent les secrets. Ouais, Seigneur. Vous n'allez plus avoir peur, hein? Votre tante là. Oui, ma tante. Ouh, la tante là, j'ai peur d'elle. Oui, pardon. Vous vous rencontrez un jour un deuil comme ça là. Hey, c'est toi, ça, tu la toises. Tu fais. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est quand tu étais encore petite.
C'est quand tu étais encore petite là. Oh. C'est fini. Une femme me dit l'autre jour que la consultation, hein, si tu es en Europe, c'est 100 euros ou 110 dollars. Ça, c'est le prix de ma consultation qui est demandé. Vous avez compris? Et parfois, tu payes même, on ne peut pas se parler, donc j'en bout ton argent. Si ton esprit n'est pas disposé, on ne se parle pas. Consultation physique, je suis plus. Les esprits m'ont mis quelque part, on ne peut plus me voir, donc je suis désolée. Voilà. Vous entendez souvent lors des délivrances, il y a des gens qui parlent. Quand on était parti à tel endroit, on a donné le nom de telle personne. Oui, on avait vendu l'autre là-bas. Il y a les gens comme ça. Ils avouent. Il n'y a que les simpletons qui croient que tout le monde est simple dans sa famille. Il n'y a que vous là. Simple, simple. On te montre que fais même ceci, lave-toi même, non. Non. Fais même. Hein, est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que. Il dit, continue. Vous devez apprendre vous-même. Toi-même. Parce que ce qui vous gâte, ce qui vous tue, c'est que malgré tout ce qu'ils ont dit sur vous, vous venez, vous prenez la peur. C'est ce qui sort de votre bouche. Voilà la reine Chatte qui a dit que son fils qui est en train de composer le bac, il était malade. En passant, il y a les kits d'examen. Les kits examens sont déjà disponibles. Kits examens. C'est pour les gens qui composent. Si vous avez des enfants qui ont des examens qui vont faire. C'est un des nouveaux kits qu'on vient de concevoir. Si elle ne connaissait pas qu'elle peut prendre le sel, elle fait comme ça, elle lit tel somme. On attaque ton enfant est malade, il arrive dans la salle d'examen, il voit. Il y a une dame qui m'a dit l'autre jour que son fils a remis, il a échoué. Le brevet l'année passée. Ça l'a tellement choqué et tous ses professeurs. Elle est en France. Si bien qu'elle est partie, elle a appelé. Elle a demandé à voir la feuille de l'enfant. On dit que l'enfant a remis la feuille blanche. Il a mis son nom sur le papier. Il a remis la feuille blanche. Quand vous pensez toujours que. Et il savait que le père du père de ses enfants, non, leur grand-père paternel, il avait déjà juré que. Comme elle est là, elle a épousé leur fils, son fils là, elle va voir. Mais tu composes même avant que tu échoues, non? Vous êtes quand même d'accord avec moi que. Et l'enfant, quand il a fini les examens, il est rentré à la maison, il n'a pas dit à sa mère qu'il n'a pas écrit. Ça veut dire que lui-même, il ne savait pas. Sur qu'on avait lancé un sommet spirituel sur lui-là. Elle a donc commencé, elle a fait un sacrifice. Elle a fait un sacrifice, après, elle a fait une offrande. Elle a fait un sacrifice sur l'enfant là. Je crois qu'elle a fait un bouc pour lui. Une semaine après, elle rêve. Elle voit comment, pendant qu'ils sont en train de passer un examen, l'enfant est en train de dormir. Dans le rêve, elle dit à l'enfant que réveille-toi. Et elle dit qu'avant qu'elle tombe sur mes vidéos, tu vois, c'est le genre de femme que tous ses enfants ont le don. Le don. Vous connaissez le don, non? Tous ces enfants ont une chance. Quand tu les vois, leur étoile, ils ont une étoile très forte. L'autre veut faire le football. L'autre, elle a déjà même lancé, elle veut faire des vidéos TikTok avec sa petite soeur. Elle veut devenir manager de sa petite soeur. Donc elle veut faire une chaîne où elle va gérer le compte de sa petite soeur. Sa petite soeur fait des vidéos. Ça veut dire que Dieu a déjà montré aux enfants là qui seront des stars. Maintenant, vous pensez que l'ennemi va laisser, non? Vous pensez non? Il va aller entrer dans quelqu'un. Quelqu'un va dire que je veux que vous suivez la femme-ci. Ça peut être ton beau-père, ta belle-mère. En fait, tu ne peux pas déterminer précisément dans qui l'esprit là va entrer. Donc, si vous voulez être bête, soyez bête. Just be bête. Be bête on your own. Be bête. À nos filles bibettes.
Voilà, il a abandonné seul. Parfois, hein, ce n'est même pas la faute de vos enfants. Parfois, ce n'est même pas leur faute. L'enfant reste, il a une vision de lui. Il se voit, il sait qu'il doit jouer au basket. Et comme toi, tu es une mère simpleton, Marie Noël, quand il a abandonné. Il y a une autre qui m'a dit, j'avais lavé son enfant un truc en Côte d'Ivoire. J'ai fait un lavage à distance à son enfant. Elle me dit, ça fait 2 ans qu'il avait fini l'école. Là, j'ai eu le boulot fatigué. Il est aussi comme ça à la maison. C'est sa copine qui l'aidait de temps en temps. Je la consulte, donc je lui demande, elle me raconte l'histoire de son fils. Elle dit qu'il faisait le football. Elle me dit que l'enfant jouait au football. Il commence, il avait peut-être 12 ans. Voilà. Un jour, elle est sortie avec son mari. L'enfant dit qu'il part jouer avec ses amis. Il part, il joue, on le blesse. Sa blessure l'a fait l'arrêter de foot. Donc, comme tu sors, peut-être tu. L'enfant ne souhaite pas jouer au quartier. Il revient, la blessure, là, continue, jusqu'à l'enfant arrêter le foot comme ça. Elle dit qu'elle était douée au foot. Un autre, j'arrive en Côte d'Ivoire, je vois un enfant. Il arrive grand de taille. Je vois l'aura de l'enfant là. Je dis, waouh. L'esprit commence à me parler de lui. Je lui dis, là où il était là, son pied était bandé. Basketteur. Décembre. Il a eu un accident. Son pied. Il guérit. Février. La moto, la voiture, le cogne. Le pied encore. Et il a 21 ans. Tu crois que comme le pied l'a attaqué comme ça, là, que il va se rétablir, il va encore jouer. Même s'il joue, ce sera comme avant. Si vous pouvez savoir comment les gens là volent les destinées de vos enfants. Ton enfant aurait pu être un. Il aurait pu. Parfois, on utilise même toi, la mère de l'enfant. Toi. Toi. Parfois, on t'utilise toi. L'enfant dit, maman, je veux jouer au foot. Je dis non. Maman, je veux. Non. Étudie. Maman, non. Étudie. Au lieu de chercher un endroit où l'enfant peut faire sport études. Non. Les années passent. 17, 18 ans finalement. L'enfant tombe dans les groupes qui fument le truc là, je ne sais pas trop quoi. Il passe 2 ans de folie. Il y en a parmi vous, vos enfants sont en prison. J'ai des mamans qui me contactent parfois. Oh, on a accusé mon fils d'avoir violé la fille ici. Elle lui a menti qu'elle avait 18 ans, alors qu'elle avait 15 ans. Et d'ailleurs, ils sont sortis ensemble et puis on voilà. Ton enfant a 19 ans, il est en prison. Il dit que vous avez trop dormi sur vos enfants. Et si vous ne faites pas attention, ce que vous-même, bonjour la reine Ellie, ce que vous-même vous vivez, vous avez vécu dans votre vie, vous allez faire vivre ça à vos enfants. Comme ton étoile là est passée comme ça là. Parce que tout enfant que vous avez qui est sorti de votre ventre là, l'enfant là les dons. L'enfant là a les dons, je vous dis moi. L'enfant que vous avez là. Marie-Noël, si tu as compris, il dessine comme un dieu de l'âge de 5 ans.
Je connais une dame dont le fils dessine comme ça. Elle a mis son fils dans une école de dessin. Sa fille, pardon. Elle a fait une école de dessin. Art. D'ailleurs, quand l'école des vacances que je fais avec les enfants, mon but, c'est de découvrir les talents des enfants et d'aider les parents à mûrir ces talents. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez rien qui fait. Tu ne connais pas jouer à un instrument. Piano, rien, tu ne connais rien jouer. Aucun instrument. Tu n'as aucune compétence que tes parents ont développée en toi quand tu grandissais. Et tu es en train de faire la même chose sur ton enfant. Même chose. Vous devez comprendre que le travail spirituel que vous êtes en train de faire là, travaillez sur vos enfants. Moi, vous dis moi. Ce n'est pas forcément que vous devez venir chez moi. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai tellement. Hier, j'ai fini. J'ai commencé le lavage à 12h30. Ça va à quelle heure je suis quitté la chaise? À 20h. Donc, pour vous dire que je suis hyper saturé. Noël Fond, ne te dérange pas. Même si tout le monde, même si les 8 milliards de personnes qui sont sur la terre lavent les gens, ce sera toujours bien. Parce que trop de gens souffrent. Trop de gens souffrent. Et votre problème, c'est que vous êtes toujours en train de dire, ah, vous ignorez d'abord. Quelqu'un essaye même de te dire. Un jour, quelqu'un à côté de toi, l'esprit lui dit, parle à la femme-ci. Parle-lui. On te dit, je commence à dire, ah, tous ces trucs-là, est-ce que moi, je crois même à ça? Si vous voulez vous rappeler, il y a au moins eu une ou deux fois dans votre vie. Parfois même, Dieu doit t'amener même à l'église. Tu arrives à l'église, c'est ta première fois. Tu visitais seulement. Le pasteur de tout le monde, là, il te prend toi. Il commence à parler sur ta vie. Voilà, tu étais censé faire ça. Tu étais censé... Voilà. Après ça, tu as fait quoi? Tu as commencé à dire, ah, pardon, les tous les pasteurs là qui t'avaient ça, non? N'est-ce pas? L'esprit a essayé de te contacter depuis longtemps. C'est que tu as fait ta part de simpleton. Plus. Vous aimez le simpletonnage. En tout cas, les gens qui ont compris se lèvent. Il y en a que on vous a déjà promis de vous sortir du pays même 50 fois. Depuis 2 mois que vous faites vos lavages, on a déjà fait vos passeports. Vous êtes en train de demander le visa déjà pour partir. Pour se protéger, il n'y a pas une chose que tu fais une fois, après tu arrêtes. Non. Tu dois rentrer dans l'habitude que chaque semaine, je dois au moins avoir un jour de jeûne. Chaque jour, je dois me laver avec le sel. Minimum. Et vous savez qu'à part le sel, hier, j'ai partagé sur TikTok. J'ai mis la vidéo du bain de cannelle. Il y a la cannelle que vous utilisez pour parler dans votre maison. Le bain de romarin. J'ai mis la vidéo du bain de romarin ce matin. Le bain de romarin. Tu prends le romarin, tu fais bouillir avec le sel, sucre, tout ça là. Regardez la vidéo sur TikTok. C'est le travail. Voilà les bracelets, par exemple. J'ai bien mis ça à vendre. Est-ce que vous achetez alors? Vous n'achetez pas, non. N'est-ce pas? Vous n'achetez pas, non. Hier, c'est comme si hier, c'était la nuit des bracelets. Une m'écrit, elle me dit, je viens d'acheter mes bracelets, j'ai mis sur moi. Depuis qu'elle a mis sur moi, ça picote, c'est normal. L'autre, elle dit, wow, j'ai mis sur moi mon cœur, c'est comme si elle va avoir des palpitations, c'est normal. L'autre, elle me dit que quoi là? Je dis que, c'est ça, quand vous mettez ça sur vous, ça, voilà les points clés. Voilà les points clés de votre corps. Pourquoi vous croyez que quand on arrête quelqu'un dans le physique, on met les menottes sur les bras? Pourquoi on ne met pas les menottes sur tes pieds? Parce qu'on sait que dès qu'on a attaché tes mains, on t'a déjà pris quelque part. Et tout dans le spirituel, ça avait les points clés. Il y a des trucs comme le cou. Là, la tête. Et c'est que ça, il y a une dame là, elle est en France. Elle achète ses bracelets, elle me dit. C'est quand elle a acheté les bracelets qu'elle se rend compte que les riches, elle est infirmière. Les riches chez lesquels elle part,
pour les travaux. Elle dit que la majorité d'entre eux ont les bracelets, c'est sur les mains, alignés beaucoup. Elle dit que, mais j'étais bête. Elle dit que vraiment, quand elle voit quelqu'un, hein, si tu as réussi, tu as l'argent. Moi, elle n'est pas encore le genre d'argent là. Il y a sûrement quelque chose qu'elle peut apprendre de toi. Et le problème du noir, c'est que vous connaissez trop. Vous pensez que vous maîtrisez. Tu penses que tu maîtrises, tu as 50 000 francs par mois. Tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Au Gabon, c'est 7 000 francs. Au Cameroun, certains bracelets sont 6 000, certains sont 7 000. Donc on va dire la moyenne des prix, c'est 7 000. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre chez quelqu'un. Tout c'est l'énergie. Tout c'est la puissance. Il y en a parmi vous. Seulement ça. Combien de fois je vous ai demandé de prendre ça pour mettre dans les coins de votre maison? Combien de fois je vous ai dit? Vous n'avez pas mis non. Ça doit être dans ton porte-monnaie. Tu n'as pas mis non. N'est-ce pas? Continue, non? Ça, c'est le truc que quand tu arrives au village, la mère prend toujours. Elle prend, elle marche, elle parle, elle fait. Elle lance sur toi. C'est toujours dans le sac. Comme tu penses que tu as grandi, tu es maintenant. Oh, Seigneur. Divine qui est Mani là, il y a ce qui est Mani là, Kevin. Tu peux avoir ça à Douala là ou bien tu commandes avec les représentants. Même sur le cou, il y a des choses qui doivent aller sur votre cou. Ça vous protège. Ça protège parce que il y a le chakra du cœur ici. En journée, il y a les gens qui se mettent dans les lieux publics où il y a plein de personnes. Chaque personne qui passe, on prend ton énergie. Écoutez, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que ça ne se fait pas. Donc après le bain des pieds, tout le monde va te donner l'argent. Hein, David? Tu n'as pas d'un câble à air. Bien ça. T'as pas d'argent là en train de venir de tous les côtés. Bonjour la reine Kem. Tu t'es réveillée tôt aujourd'hui. C'est comment? Oyama. L'esprit va beaucoup vous parler. Quand vous commencez à faire certaines de ces choses, si les bains, les choses comme ça, l'esprit va commencer à vous parler. Vos rêves vont beaucoup s'activer. Vos dons vont s'ouvrir. Et vous allez commencer à avoir la force de dire non à certaines personnes. Vous aurez la force. Que quand quelqu'un, peut-être quelqu'un venait avant, il prenait quelque chose chez toi ou bien il faisait. Quand le tout, si tu dis non. Tu dis non. Voilà. Pour le lavage à distance, il y a peut-être 4 personnes que je n'ai pas fait votre lavage. Donc, je vais faire ça parce que les photos. Bon, et ceux qui avaient leurs règles hier, on va faire votre lavage dans 5 jours. Donc, le 6, il y aura notre lavage. Le 6. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai les témoignages de ça. Hein.
Hier, avant, quand elle tentait de laver, même le mari de la dame qui a dit que depuis 2 ans, son mari est en Afrique, elle est en Europe. Elle dit qu'il a acheté le billet d'avion, qu'il est en train de venir en France et rester avec eux. Nadine, si tu mets ça, les souris mangent. Où ce sont les souris sorcières que tu as là-bas? Pamela Vegas. Il y a beaucoup de choses que donc tu ne m'as pas gérées. Donc si tu n'as pas l'argent, tu quittes. Tu n'as pas l'argent pour mettre les mégas pour venir regarder ça. Tu parles seulement, pardon. Tu as compris, non? Hier, quand j'ai fait le bain ici avec vous, je vous ai dit, prends le sel dans ta cuisine, tu mets dans ton eau, tu mets tes pieds dedans. Tu n'as pas pu faire l'autre là, tu quittes. Tu es paresseuse. Compris. Ça, vous pouvez accrocher. Tu accroches sur les fenêtres. Si la souris passe sur la fenêtre manger, d'autres, c'est que tu as accroché. C'est que vraiment, il faut que tu sortes de la maison là. Tu vas déménager. Almaco, est-ce que tu as demandé un lavage? Quand je fais le lavage du premier, il y a des gens que je fais le lavage de déblocage, il y a des gens qui font le lavage de fondation. Ce n'est pas parce qu'il fait le premier du mois que le lavage là, ne peut pas être le lavage fondation. Parfois, vous posez la question comme ça qu'on n'avait même jamais demandé le lavage. Il ne faut pas me déranger. Il ne va pas m'embêter. Donc, quand j'ai dit que quand vous allez commencer vos lavages, vous allez commencer, l'esprit va commencer à vous, votre intuition va se développer. Votre intuition va commencer à se développer. Vos rêves vont devenir clairs. Et ceux qui attendent toujours qu'on leur parle seulement en rêve, parfois c'est juste une idée que tu vas avoir. Un truc que tu avais oublié va revenir. C'est une opportunité. Que tu avais demandé le visa depuis 2 ans. Stéphane, ouais. Stéphane, c'est quoi ton problème, Stéphane? Ça te dérange en quoi, Stéphane? Je vends le jujube. Tu penses que je vends le jujube? Hein? Tu penses que je consomme mes maisons avec le jujube? C'est l'argent de ça qui me donne le jujube, qui me fait consommer ma maison? Hein? Quand vous n'avez rien à dire, ne venez pas commenter sur mes directs. Vous avez compris. Passez seulement. Faites le passage. Passez. La pauvreté n'est pas bien. La pauvreté n'est pas bien. Et il y en a parmi vous, vous êtes en train de me regarder. Vous êtes meunier ici. Votre business ne passe pas depuis. Ne venez pas ici me déranger. Vous avez compris. Vous avez compris, non? Vous me comprenez, non? Ne venez pas ici me déranger. C'est Dieu qui donne. Certaines personnes se mettent seulement la jalousie. Parce que vous avez fait votre page Facebook. Personne ne vient là-bas. La fessière, on ne donne pas à quelqu'un. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Je peux me mettre ici, je parle, il n'y a personne qui me regarde. Je peux vous dire les lavages à faire, vous faites, rien ne se passe. Si je fais et ça marche, ça, c'est le cachet de Dieu sur ma vie. Et l'autre, là, il ne discute pas avec quelqu'un. Même le fait qu'il parle, vous avez confiance en ce que j'ai dit. Ça, c'est la manque de Dieu sur ma vie. Donc, si ça dérange quelqu'un, qui saute, il cale en l'air. Je vous dis, moi, hoha. Il saute, il cale en l'air. Ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut. Voilà. Vous croyez que quand il m'appelle Reine Lumière comme ça, là, vous croyez que c'est... Je suis allé ramasser ça en route. Je suis allé ramasser en route. Ce n'est pas le qui veut. Les marabouts viennent faire leur publicité sur ma page. Ils viennent dire que le maître Koulibaly, tout ça là, ils viennent faire leur publicité sur ma page. Voilà. Donc si ça c'est clair dans la tête de tout le monde et de ceux qui vont arriver plus tard, si le message est passé, c'est là bon. Votre jalousie ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Même quand il dort, mon esprit soigne les gens. Même il me couche, je dors. Même si il dort toute la journée, si. Mon esprit sort, ça va soigner les gens. Pas le qui veut.
Je sais qu'il y a des gens qui sont partis, vous avez vendu votre famille pour avoir les pouvoirs. Vous serez surpris de savoir ce que les gens font ici dehors. Vous serez vraiment, quand on vous dit que vous allez rester, vous serez sidéré. Donc, quand elle voit quelqu'un qui est d'abord pauvre, peut-être tu es sur un salaire de 1500 euros le mois, tu viens ici là, tu veux parler, pas bon. Maintenant, si vous venez d'arriver ici, je fais tellement de vidéos, je montre tout. Dans mes vidéos, je donne tout. Moi, je donne tout. Maintenant, ceux qui me contactent, ils disent que je veux que tu, ce soit toi qui fasses mon lavage. C'est parce que la personne là a vu que c'est quand il va mettre ma main sur sa photo que sa vie va pas changer. Si tu viens ici, tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Quand j'ai compris que mon onction là, personne ne m'a donné, personne ne peut prendre. Ça m'a enlevé la peur. Je n'ai plus peur de quelqu'un. Je n'ai plus moi peur de quelqu'un. Parce que les décès psychoniques, ils essayent. Hein? Même en inbox souvent, ils me tentent. Que tu vas voir, avec tout ce que tu montres aux gens là, tu ne peux pas durer. Je dis, laissez, c'est vous qui m'avez appelé, non. C'est vous qui me protégez, non. Mon pouvoir vient de vous, non. Comment est-ce que tu peux prendre? Et je parle aussi pour vous-même que vous avez le don, mais vous avez peur. Ta tante ne peut rien te faire. Quand tu commences à faire ça, Dieu va commencer à te montrer. Et quand Dieu va te montrer, moi dans mes prières, il dit toujours, je ne veux même pas savoir qui m'a fait ça. Je renvoie sa manque back to sender. Ce qui m'importe maintenant, c'est d'avancer. Je vous ai lu une fois Deutéronome ici, là. Je veux que vous voyez combien le Seigneur s'inquiète très peu des gens qui le détestent. Allez regarder Deutéronome 28. Voilà les bénédictions. Parce que j'obéis à la voix de l'Éternel en observant, en mettant en pratique tous ces états. Voici les bénédictions qui se répandent sur moi. Verset 2, la bénédiction. 3, la bénédiction. 4, la bénédiction. 5, la bénédiction. 6, la bénédiction. 7, il parle des ennemis. 8, la bénédiction. 9, la bénédiction. 10, la bénédiction. 11, la bénédiction. 12, la bénédiction. 13, la bénédiction. 14, la bénédiction. Si sur 14 versets, Dieu prend 12 versets pour baler la bénédiction. Un verset pour adresser les ennemis. Pourquoi je vais passer mon temps à dire « Fire sur mes ennemis » Parce que je m'en fous de vous, mes ennemis. Et il est temps que vous commencez à vous en foutre d'eux. Ah, si, hey, quand on va me voir en ligne, qu'est-ce qu'on va dire? Quand ils vont voir mon visage. Écoutez. Faites ce que vous avez à faire. Bénissez-vous plus que vous ne parlez de la peur. Je me bénis, je bénis mes enfants, je bénis mon business, je bénis mes comptes bancaires, je bénis mon visage, je bénis mon passeport, je bénis mon ceci, je bénis mon cela. Ah, c'est une bonne musique. Je bénis. Ah, c'est. Attendez, je vais. On peut faire une mélodie comme ça. Un bon rap. Yeah, yeah. Je bénis mes enfants. Je bénis mon business. Je bénis mon... Oh, yeah. Je bénis mon mari. Tu t'es béni. Vous inquiétez parfois des choses qui n'ont pas de sens. Oui, j'ai rêvé que... Il faut que tu m'expliques le rêve là. Tu as béni ton corps le matin. Tu as béni tes affaires. Tu as béni ton business. Non, je dois comprendre. Mais je dois comprendre le rêve là. Pourquoi le rêve là m'a attaché? Pourquoi il a fait comme ça là? Pourquoi? Bénis-toi. Ouais. Parfois, vous laissez votre cerveau être occupé par n'importe quoi. Vous n'êtes pas concentré. Voilà le matin. Je vais vous lire ça. Je voudrais que vous répétiez, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne vous êtes pas bénis ce matin. Donc bénissons-nous. Répétez juste après moi. Parce que j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu, et j'observe, je mets en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui. L'Éternel, mon Dieu, me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici les bénédictions qui sont mon partage aujourd'hui. Moi, Jocelyne. Je suis bénie dans la ville de Libreville, dans la ville de Douala, dans la ville de Paris. Vous avez à répéter. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Mes enfants, tu appelles le nom de tous tes enfants, sont bénis. Le fruit de mon sol, tu appelles le business que tu fais, tous les business là. Les Gidjiga Academy, enfants d'excellence, tout ça, tu appelles, sont bénis. Mes comptes bancaires, à Freeland First Bank, Société Générale, prononcez le nom de vos comptes bancaires. Je suis béni aujourd'hui à mon arrivée et à mon départ. Quand je sors de cette porte aujourd'hui, je suis béni. J'ordonne à la victoire sur tous mes ennemis qui se lèvent contre moi. Aujourd'hui, quiconque se lève contre moi sur un par un chemin, je déclare qu'il s'enfuit devant moi par ce chemin. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi aujourd'hui dans mes comptes bancaires, mes comptes d'épargne, dans mes tontines ou mes porte-monnaies. Ou... Je suis béni dans ce pays. Je suis béni au Cameroun. Je suis béni au Gabon. Je suis béni en Côte d'Ivoire. Je suis béni. Prononcez le nom de vos pays. Je suis... Verset 8. Je suis pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré à mes pères, parce que je marche dans ses voies. Tous les peuples voient aujourd'hui que je suis appelé du nom de l'Éternel, moi Jocelyne, et ils me craignent. L'Éternel me comble de bien et me multiplie mes enfants. Mes enfants sont bénis, multipliés. Aurélie est multipliée, Merveille est multipliée, Junior est multipliée. Appelez le nom de vos enfants. L'Éternel m'ouvre son bon trésor, le ciel, et il envoie aujourd'hui dans mon pays la pluie en son temps pour bénir le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations. Et quand je prête à quelqu'un, la personne me remet mon argent à temps avec bénéfices et intérêts. Je n'emprunterai point. L'Éternel fait de moi la tête aujourd'hui. Je suis toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Même en faisant l'amour. Parce que j'obéis au commandement de l'Éternel, mon Dieu. Et que je ne me détourne ni à gauche ni à droite de ses commandements. Amen. Tout ce que je fais réussit. Tout ce que je touche est béni. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour la reine Juliette. Joyeux anniversaire la reine Nathalie. Quand tu verses les bénédictions comme ça sur toi, tu crois que tu vas sortir, qui va te dire que... Qui va te mettre à terre? Hein? Levez-vous, brossez, nettoyez bien votre visage. Je vous ai dit qu'on jeûne, vous devez jeûner. Un, deux, trois jours de jeûne. Vos demandes de visa, là, vont vous être accordées le mois-ci. Votre business, là, ça va pointer. Votre ministère, là, vous allez commencer à soigner les gens le mois-ci. Au nom de Jésus. Vous allez commencer vos vidéos ce mois, au nom de Jésus. J'enlève toute douleur. Il y a quelqu'un qui a une douleur dans l'œil droit. Ça donne souvent les maux de tête, le mal de nez. Je déclare que tu es guéri aujourd'hui, au nom de Jésus. Il y a aussi d'autres personnes, vous avez des problèmes de vision. Vision d'avenir. Les projets que vous aviez sont tombés à l'eau. Je viens restaurer vos projets au nom de Jésus. Je viens bénir vos enfants. Je déclare la guérison sur vos enfants. Ceux qui ont les enfants autistes, les enfants qui sont dans les chaises roulantes là. Toute personne qui a utilisé vos enfants pour vous immobiliser. J'enlève toute immobilisation sur vous au nom de Jésus. Ceux qui ont les palpitations. Prenez la cannelle en poudre. Vous devez mettre ça comme le vous devez boire ça comme le thé. Tu peux faire bouillir la cannelle, tu bois. Je déclare la stabilisation de votre cœur. J'enlève les maux d'estomac. Tout maux d'estomac, ulcère. Je soigne ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare votre guérison. La reine Nathalie, dont c'est l'anniversaire, je déclare que dans un an, quand tu vas voir tout ce que tu auras accompli
question finance. Je multiplie tes finances par 100 au nom de Jésus. Déclare que ton revenu que tu avais chaque mois se transforme en ton revenu quotidien. J'ouvre vos idées de business. Je vous fortifie. J'envoie sur vous la puissance. Je vous relève de votre lit. Ceux qui étaient malades depuis quelques jours, vous n'arrivez même pas à vous lever. Je vous sors de ce lit-là au nom de Jésus. Ceux qui devaient lancer leur business, déclare que vous lancez ce business à ce mois au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais injecter le courage dans votre cœur, que vos anges opèrent sur vous et qu'ils vous donnent le courage. Je restaure le courage en vous. Au nom de Jésus-Christ. Je mets le luxe dans votre vie, dans votre maison. Que l'argent que vous attendiez depuis tombe ce mois, au nom de Jésus. Je mets l'abondance sur vous, par la puissance du Saint-Esprit. Lancez votre business ce mois. Allez en studio chanter. Il y a beaucoup d'artistes que votre voix, vous avez fermé votre voix depuis. Allez enregistrer votre album en studio. Écrivez le livre de votre histoire, s'il vous plaît. Que ce mois de sixième mois soit votre mois d'accouchement. Le sixième mois de conception pour beaucoup d'entre vous. Que vous conceviez finalement. Je mets la paix sur vous. Je mets l'abondance. Je viens vous bénir. Vous mettez votre main ici pour vous accorder avec moi. Je viens enlever tout envoûtement dont vous avez été victime. Tout étourdissement. Toute incompréhension. Voilà. Je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous serez dans l'avion, filmez-vous, vous m'envoyez la photo. Vous avez compris. Vous dites que c'est Dieu qui a commencé. Vous avez suivi, non? On vous avait bloqué là, vous sortez. Vous sortez du pays là, c'est ce mois. Ce mois, vous sortez. Bon. Passez une superbe journée, ok? Hé, hey, mes ennemis! Il y a les gens dans mon direct souvent que quand ils me regardent comme ça, là, ils ont le macabre. Tcha! Ils disent que c'est quoi ça? Voltaire, tu as arrêté de me suivre. Ouais. Il y a des gens qui arrêtent souvent de me suivre. Il n'y a pas de souci. Même Jésus, à un moment, les gens arrêtaient de me suivre. Non. Restez dans la joie aujourd'hui. Hein. Ne laissez pas quelqu'un venir, vous énerve, votre petit voisin là. Vous devez même déménager de l'endroit là déjà. Votre temps est à dépasser dans l'endroit là. Vous devez déménager. Vous devez déménager. You must déménager. You de hear me? You must déménager. Souvent, tu sors le matin avec ta joie comme ça, là. Dès que tu vois ton voisin comme ça, là, ça gâte ta journée. Ok, bonne journée à vous. Oh, Jesus is Lord.